Aujourd'hui, un stream du manque de l'envie. C'est une bonne façon d'introduire son stream. On va continuer de farmer The Crew 2 tranquillement, sans prise de tête, parce que j'ai pas de meilleure idée. Alors oui, certains diront, ouais, mais tu pourrais jouer à Nier Automata, ou tu pourrais faire d'autres trucs dans la vie. Et je leur répondrai oui, c'est vrai, et je pourrais avoir un énorme pénis, être multimilliardaire et épouser Scarlett Johansson. Mais bon, dans la vie, voilà, il y a certaines choses qui sont trop faciles et trop abordables. Moi, je préfère jouer à The Crew 2 tranquillement dans mon coin. Voilà. Il sort le jeu ou pas? Le jeu. Allô? Ubisoft. C'est quand même pratique hein, que contraire sur Uplay, contrairement à Steam, t'as pas une petite icône pour te dire attention, le jeu est en lancement. Ah bah voilà le jeu d'ailleurs. Alors dans The Crew 2, évidemment, j'ai progressé hors screen, tranquillou, dans mon coin le week-end dernier. Putain, j'ai mis du thé, mais j'ai pas mis de l'eau. J'ai progressé tranquillement dans mon coin le week-end dernier, et moralité, c'était sympa. Enfin, j'ai surtout fait tous les côtés chiants. Toutes les petites activités nudes qui te rapportent modérément du stuff. Et j'ai gardé les courses de côté pour votre plus grand plaisir, bande de petits canaillous que vous êtes. Donc, on va faire ça maintenant. Ouais, la course extrême, ouais. Mais Souza, pourquoi tu fais pas tes vaches de place Power Watch? Course extrême, on te dit. Plus important. Il y a plein de challenges, j'avais oublié qu'il y avait ça à faire tous les X-temps. Jouer des events PVP, non. Drift 250 mètres. Alors, je pue en drift, by the way. C'est très important. Cette slalom skin. C'est quoi les slalom skin? Ok. Et l'event PVP, je m'en bats la race. Ok. Alors, niveau véhicule, on a progressé un petit peu. Ça, c'est la petite caisse drift que j'ai chopée avant d'arrêter de déco et en test. Enfin, j'ai testé une fois et puis voilà. On a refait l'Audi TT, hein, fuck Vegeta un peu parce que voilà, au bout d'un moment, j'avais envie de couleur. Hein. Pas seulement de noir et blanc. Border Patrol, parce que c'est drôle. On est la Border Patrol de Trump qui va chercher les Mexicains en pleine off-road. Cette bagnole, je sais pas à quoi elle sert, je m'en sers jamais. Bien évidemment, la moto. Ah ouais, j'ai pas fait de crash. On s'est quasi pas servi de cette bagnole-là en fait, donc elle a quasi pas boosté non plus. Le hors-bord, bien évidemment, et l'avion qui a genre le plus beau skin de toute la Terre. Parce qu'on est un putain d'oiseau. Et ouais, c'est ça qu'on veut. Alors, on va partir sur du normal. Hein. Je vais voir si le stream marche bien. Est-ce que le jeu est trop fort, pas assez? Aussi reprendre un peu l'habitude de jouer parce que mine de rien je voulais continuer etc. Et puis je suis parti un peu sur Rocket League cette semaine donc bon. Puis les jeux à event hein, les fameux. Genre Overwatch, tout ça. Et on se plante dans le premier garage qui vient. Pourquoi? Oh, close. GG close.
Mais... Ah, c'est un pont, c'est sur le pont, d'accord. Bonjour. J'ai croisé un ghost. If you have ghost. Ouais, bon, on repassera quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau à faire? Putain, j'ai déjà plus me servir du jeu. Tu, chapeau pointu. Street Race. Voilà. Basique. This race is the big time. If you win, you really put yourself on the map. It's a chance to get important de niquer tous les cônes. So don't let anything get in your way. Alors je croyais pas de la réussir du premier coup, hein, bien évidemment. Vous savez, sur la chaîne Suzaku's Revenge, il n'y a aucune garantie de skill. Wow, le head start. Putain, mais techniquement, on les domine un peu, non? Ok, par contre, sur les virages, pas trop ça. Putain, sur le plan tactique que t'es gagné, je pense que tout est à réapprendre, putain! Comment j'ai pu autant oublier comment jouer à ce jeu en même pas une semaine? Ah oui, bien évidemment, spéciale dédicace au film Sonic, hein, parce que bon, on joue de la vitesse et tout est bon pour racoler des hashtags. Putain, mais je connais pas. Enfin, j'ai l'impression de connaître, mais... Mais non. Allez, dégage, Raman. What? Pardon? Whoa. That looks bad even from here. We need to help. Oh man, careful moving them. There might be internal injuries. What the fuck? What the fuck? You gotta get into the hospital fast. This is what we do, you know? We take care of our own. Ah putain, c'est excellent. Ah, Ubisoft, merci. Juste parce que j'ai platonné un mec, la course s'interrompt et je dois faire une autre course. Ouais, careful, careful, si j'ai envie, ok. Je crois qu'il y a 20-45. J'y serai jamais à temps. Wait, c'est pas un décompte. C'est un compte. Bon bah attends, tranquille alors. Vroom vroom. Yo, yo, Yvaldin. Yvaldin, le danfino. Le gratin danfinois. Ta mère. Alors lui par contre, je m'arrête pas pour le sauver, hein. C'est un peu l'ironie, c'est que tu fais des accidents en essayant de sauver la victime d'un accident. Ah ouais, ironique. Écoute, save a driver, but not, not the rest of the population. Ok. Ok. Putain, mais... C'est obligé d'être aussi chiant de tracer. C'est quoi ces doubles virages en S? Voilà. Ouh, il est sauvé, ça va, il n'aura rien. ABC. Pardon, c'est censé être dramatique. Non, mais ça va, j'ai battu les 2 minutes 45. Ok. Ce jeu me surprendra toujours. Sans te free drive. Once the race is over, we're all on the same side and we're all looking out for one another. One of us has a problem, people help out. Winners, losers, we're all in this together. And we know it. Putain, c'est tellement choupi.
C'est genre, non, tu dois pas être méchant avec ton prochain. Après, je l'ai tellement fracassé, le mec. Ah, mais du coup, la course est gagnée. Bah. Ah oui! Ah, bah, elle s'appelait l'accident, c'est pour ça. Ah, c'était scripté. Ah merde, je suis déçu. Je pensais que, tu sais, genre, c'est parce que j'avais taclé un mec, en fait, pendant que je faisais le saut. Mais pas du tout. Pas du tout. C'était scripté. Oh, je suis un peu la déception, du coup. Ok. Ouais, filtre. Qu'est-ce que j'avais fait? Si je... check les donne, je veux juste les lock. C'est check ou c'est un check? Ça sert à rien de montrer les locks. Loom. Donc comme on le voit, j'ai progressé quoi. Drift Challenge South. Je vais pas encore m'humilier avec du drift, hein. On va commencer par de la street race tranquillou. Oddies but goodies. C'est pas celle où je suis obligé d'utiliser une caisse, si. Juste check voir s'il me met sur une autre caisse. Est-ce qu'il va me mettre sur la chargeur RT? Non. Bon bah, va retenter avec ce veau. Apparemment, je suis obligé de jouer avec cette Camaro là et pas une autre en fait. C'est une course de Camaro quoi. Enfin, c'est une course de vieille bagnole. Strog! Y'a pas là. Regarde ça! Ce veau! Casse-toi. Les bagnoles! La circulation, c'était pas prévu. Panda, au passage, tu veux savoir qui meurt dans Game of Thrones? Parce que je crois que t'as pas encore vu les épisodes et ça serait dommage que quelqu'un te spoil parce qu'en fait tu devrais être en train de bosser tes partiels. Ouais, c'est ça, Tyrion il meurt, loul. Mais ça se passe bien, dites-moi. Allez, ciao le naze. Wow. Ok, YOLO. Il est juste derrière moi. Il me dépasse. Ouais, je le bloque, ouais. Ouais, je fais cette technique d'enfoiré, ouais. Ouais, je fais des watts dans le rétroviseur, ouais. J'adore le fait qu'il y a un virage à angle droit, mais tu peux choisir de passer complètement dans le champ et pas avoir à négocier ce virage pourri. De merde. J'aurais voulu prendre l'intérieur du virage. Good. Les vitesses, il faut les passer. Ah bon? What? Bonjour? Reste derrière, s'il te plaît.
Mais bâtard! Arrête de profiter à chaque fois! Faut que j'arrête de cut, ça sert à rien. J'ai vraiment mal là. En fait, ce qui est moche, c'est que. Putain, ta mère, il est déjà dessus. Ce qui est moche, c'est que. On quitte la ville. Et. Il y a de plus en plus de lignes droites en fait. Et c'est là que le moteur parle. Et comme on a une voiture d'emprunt, bah. Après, je fais aussi de la merde, hein, mais. Je suis à 200% de la merde. Bonjour. Daenerys, les Targaryens. Tous les Lannister et les bébés de Rogue. Tous les Stark, déjà qu'ils sont plus beaucoup under. Miskin, les Stark. Hein. Bon, deuxième place, c'est un peu comme si on avait gagné. Varions un peu les plaisirs vu qu'on est à côté. Oh merde! Un Mississippi, deux Mississippi, trois Mississippi, quatre Mississippi. Alors, j'ai aucune idée de comment on gagne les courses d'hors-bord, hein, by the way. Jusqu'ici, mon but c'est de piffer avec. Avec le tracé et la puissance du bateau, quoi. Mais bon, on dirait que ça se passe bien. Non, ça, il fallait pas en fait. Ouais, front. Oui! Wave race. Great Scott! Putain, mais lui il connaît le tracé à l'avance, moi je piffe. Pour moi, c'est une rivière, monsieur. Let's go! Dégage! J'adore me faire manger une 3 places, 4 places, 5 places, sans raison particulière. Juste parce que. Oh là là, t'as été mauvais! Ok. Shit. Pourquoi y en a qui sont passés d'un côté, pourquoi y en a qui sont passés de l'autre? On comprendra pas, on comprend pas. Et d'un coup ça se rabat par là. Donc c'est que ça doit être par là. Putain, mais donnez-moi un jet ski. Je vous aligne tous à Wave Race 64. Oh merde! Ça passe. Je suis last, je suis tellement last. Easy clap, yo Shokan. T'es rentré de ton stage? Ah, c'est loin! Allez, 7ème sur 8. Incroyable du cul. Ça valait le coup d'être streamé. Tu sais, j'ai touché mon zizi puis j'ai conduit la voiture. Puis aujourd'hui, une pote de mon lycée me voit et on tape la discute. Elle touche le volant de la caisse. The fuck was had a handjob, Jay Virgin. Je suis auquel, putain. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Il est temps qu'on ait des relations amoureuses. Mais pas ensemble. Bon bah, le bateau, Nick. J'ai pas envie.
Revenons à ce que je sais faire de mieux. Detroit, the Motor City, where car culture was born. C'est important de niquer toutes les bornes. Pas une seule debout. Parce que t'es pire de fortune ou t'as fait genre. Ah bon? Ciao. Ah, ok, y'a pas de problème. Tu fais comme un prince. Mais non, mais ce grillage, il a résisté au poids de ma bagnole, s'il vous plaît. Putain, mais chez Bricorama, ils vendent du Kevlar en fait. That's bad. Après, mais il était voir long temps, il y avait rien. Ma foi. Salut! Là, on doit être gentil avec eux. Hein. Faut que j'aille le conduire à l'hôpital maintenant, merde. Cassez-vous! J'ai pas le temps! C'est le premier tour! Dégage! Le mec était tranquillement dans la pelouse. Eh, hey, vous allez m'écraser! Bah oui. T'as qu'à pas être dans la pelouse quand il y a une course de rue, connard. Ah, le grillage! Putain, mais j'y arriverai jamais ce virage. Le lampadaire. C'est pas une bonne idée. Mais sérieusement, checkpoint mist. Non mais c'est un deck. Allô? Quoi, parce que j'ai raté un checkpoint, ça y est, je peux aller niquer ma mère en fait. On va la refaire. Allez. Techniquement, c'est toujours first try si on reset avant la fin. Oui. Mais je peux totalement cut par le garage, par le parking en fait. Ah, ce kit. Oups. Motherfucking oops. Can you make sure it's a temporary one? Mais putain, mais genre parce que tu passes de premier à huitième, le mec il est là genre. Eh, j'ai détecté quelque chose dans mon IA de merde. J'ai détecté un manque de talent. Pourrais-tu éviter s'il te plaît? Non mais... Comment est-ce qu'on fait déjà? La retry. Zéro death run. Mais c'est ça. One.
Arbre de merde. Comment est-ce que je peux cut le parking? J'apprends, c'est théorique. C'est pédagogique. C'est ça que je veux dire. Excusez-moi! Bah non. Dégage le menu, dégage, merci. Ce cutback, quoi. Tu freines tellement. J'ai failli me le remanger, hein. Cet arbre de ses morts qui veut pas casser. Allez, ciao les nazes. And nobody got time for that. Cramer un peu ce qu'on a comme nitro. Ni trop ni trop peu. Ça revient tout seul. Ta mère 100%. Voilà, ça c'est un bon... C'est une bonne triche. C'est comme ça qu'il faut tricher. Putain... What? Le mec il m'a juste chatouillé et C'est la merde comme ça dans la vie. Bah dis donc. Gaz, fait chien. Cut. Mais ta mère, toi! Putain! Regarde-moi ça, le vieux villageois qui me bloque et du coup, la course est ruinée, bordel. Putain. Yo étoile, comment ça va? Allez, fuck it. Putain, s'il n'y avait pas eu l'autre connard qui m'a poussé dans un arbre, j'aurais fait une course pas impeccable, mais bon. J'aurais fait une bonne place. Mais c'est pas les PNJ. Ils vont chier les PNJ dans les autres courses. Moi je suis le pire participant de jeu de course que la Terre ait porté. Hein. J'engueule, je taunte, tout. Good. Pourquoi tu reviens? Pourquoi tu reviens? Et toi pourquoi tu me pousses? C'est vrai que je comprends un peu mieux le virage qu'on vient de faire. Merci connard. L'IA qui se déclenche. Attention. Oui. Ah non! Là c'est moi qui me le suis mangé tout seul, hein. De mon propre gré, de mon propre chef. Par contre, là tu reste bien dans ta misère, ouais. Reste bien en chien, ouais. Je devrais être chanteur. Oh, nice.
Le gaz est très bas, by the way. Propre. Vous voyez pourquoi j'aime pas les mecs qui me passent devant? Parce qu'une fois que je suis devant, y a plus de problème. Gaz. Easy win. C'est mieux que pilote. Oh, du loot. Gimme. C'est quoi, brakes, gearbox? Ta-da-da-da. Il va où ce ghost? Je sais pas, sûrement vers une étape que j'ai déjà validée de toute façon. Ok. Bon, on a du stuff, on va faire un petit passage. Hein. Quoique. J'ai pas besoin de faire un petit passage en fait. Chaque fois je passe par le club et c'est chiant. Alors que je peux juste. Et qu'une performance, voilà. Ouais, voilà comment très magiquement on booste. Tiens, lui aussi, il manque des trucs. Ça sera 9. Du coup. Toujours le Durifto. Kansei Durifto. Trip Nord. Ça, j'ai pas allumé la lumière, du coup, c'est. La tour de Minus. Ça me nique un peu. Guy is one with his car. He knows it upside down and inside out. He's perfectly attuned to his ride, making him practically unbeatable. Notice I said practical. Ouais, gna gna gna, Théo Marquez il est très fort, gna gna gna, c'est le meilleur de sa discipline, gna gna gna. Il faut que tu le battes, gna gna gna. One. Put the hammer down. D'accord. Ok. Oh shit. Oui. Je vois ma maison. Ah. C'est pour ça qu'il gérait bien le virage. C'est vraiment triché. On va prendre la course, on va prendre la course. D'accord. Logique. Un peu violent, je reste quand même. What? Et mec, en ligne droite, je te trace quand même, hein. On sait qui a la meilleure caisse, hein. On sait qui roule en poubelle, hein. On sait qu'il vient de te mettre 3 secondes, hein. Merde, 2 secondes, il revient.
Ouah, fais chier! À gagner. Faut juste que j'aille en ligne droite, c'est tout. Hop là! Je prends le kiosque avec moi. C'est mon kiosque, je l'ai payé. Et ici c'est très sympa en ce cas-là. Par contre, ce virage j'ai plus. Voilà. Non, non. Pas raté le checkpoint. J'en ai besoin. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'attendre le bus. Que je prends les abrévis avec moi. Maintenir la top speed. Wow! C'est quand même grave bien avec ce jeu. C'est qu'on pourrait croire que ça y est, je domine et puis voilà. Mais non, le mec il est tout le temps 2 secondes derrière moi, je sais pas comment il fait. Allô? Il conduit bien. C'est ça son sacré, Shukan. Je conduis bien, mais je conduis mieux! Oh! Il a sûrement triché pour avoir son permis. Le permis loul. C'est quoi du blanc? C'est normal. Ah non, c'est un rear bumper, d'accord. C'est un visuel. Ok. Prochaine épreuve. Mais c'est qu'il y en a plein ici. Bah, Strip West. Viva Las Vegas. Si nous reprend, on est à Las Vegas. Tout cassé. Allez, je prends le kiosque avec. Mais il est loin, Starking Grid. Putain, qu'ils sont lents. Ok. Petit S. Qui peut totalement être skippable. Cassez-vous! Cassez-vous, je passe!
Les deux bagnoles là, c'est pute par contre. Merde. Pire bordure. D'accord. Sinon on avait encore beaucoup des virages à 90 degrés comme ça à chaque fois. C'est bon, bonjour la vérité quand même. Oh, intéressant. Oui. Waouh, petit drop. J'aurais pu le faire en un coup, comme je disais. Hop, le standard dog. Si vous avez faim dans le chat, c'est le moment de servir. Alors faisons des conversations totalement inutiles parce que comme ça va déclencher ma faim parce que j'ai juste mangé une tartine. Le chat, dites-moi ce que... Attention, grand débat. Ce que vous avez mangé ce soir, c'est à vous. Allez, je prends le kiosque avec, histoire de signer. Pas encore mangé. Oh, étoile, dis donc. Étoile, le gars qui mange des pizzas comme ça, random, quand vraiment la faim est trop tenace. Parce qu'il doit se priver de manger pour donner tout son argent en don à des streamers populaires. Dont votre serviteur fait bien évidemment partie. Sérieusement, étoile, faut manger. Hein. Surtout si t'es en période de partiel, c'est important de bien manger. Pour la mémoire, tout ça. Flemme. Street Race en moto. Putain, j'ai même pas une moto. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Don't on est les South. Tio's got a special someone he wants to impress by winning this race. You beat him, you block his move. Waouh, on a moyen de cockblock notre rival. Autant j'ai envie de dire, s'il s'appelle Tio Marquez, c'est obligé, il a une meuf. Hein. Tu peux pas être un personnage de jeu vidéo ou de film latino et ne pas avoir de meuf. Hein. Ça n'existe pas. Oui. Rendez-moi la route, s'il vous plaît. Ah, shit, j'ai trop négocié ce truc. Ouah, on l'a tous vu, hein. On a tous vu Tio prendre un raccourci, hein. Et on a tous fait pareil. Par contre, tu prends des raccourcis, mais t'as cassé de la merde! Ok, c'est le deuxième tour. Il y a trois tours, apparemment. C'est vrai que c'est vachement court. C'est où qu'elle a triché? Là. Ah la bisou.
On dirait, ouais, c'est pas bien, Souza, c'est triché. Ouais, mais l'IA triche aussi. C'est ça qui est bien. C'est ce genre de jeu où si tu connais pas tous les raccourcis, t'es niqué. Une pratique dégueulasse, si vous voulez, à mon avis. Parce que bon, si je jouais pour connaître des raccourcis schnapps et tacler des adversaires, je jouerais à Mario Kart, quoi. Après, bon, c'est un grand classique de l'arcade, hein, on va pas juger. Cette seconde, Tio, c'est qui le patron? La mémoire brisée, le GG, toi. Le gros GG de toi. Ok, non pas ça, ça, on va équiper le nouveau loot. Pourquoi j'en ai reçu un moins bon que ce que j'ai eu? Là aussi, pareil. Ok. C'est vraiment bien, du coup. Voilà, je l'ai vu, ton machin va de clignoter. Ok. Je vais dessiner mon stylo à loin. Ah là là, que va-t-on faire, Chouki? J'avoue, c'est une bonne raison de pas dessiner. Et l'arbor drift. Ok, donc j'ai tout fait. Extreme Series épisode 2, non. Il reste que les drifts dans la street racing. Alors, je vais vous montrer pourquoi le drift, voilà. Parce que là, vous m'avez vu avoir un skill particulier. Wouah! Oshibi qui a follow la chaîne, bienvenue! Installe-toi! Pourquoi je pars sur le côté comme ça? On dirait que c'est parce que c'est du drift, mais quand même! Allez! La rallye! Eh, pur bateau. Donc t'inquiète pas. 1022 points, il en faut 20 000. Hein. En scred, le drift, il faut que je regarde des vidéos, quoi. C'est juste pas possible d'être aussi mauvais à ce truc. Damn it. Et merde. Donc comme vous, pour ceux qui comprennent pas trop le but de l'épreuve, c'est de ne pas percuter les machins mais de continuer de dériver. Et bien évidemment de respecter le temps imparti. Donc dès que je touche le truc, mon multiplicateur est visé. Et bien évidemment, pour bien faire, il faut jamais perdre son multiplicateur. Après, on notera aussi que c'est le truc que j'ai le moins test, hein, le drift, pour l'instant. Ah!
On n'y arrivera pas. Là, là je sors carrément, allez. Je suis fort, c'est un peu trop. Hein. Après, Souza a essayé de s'imposer des challenges aussi, hein. Muscle car pour la drift. C'est à la fois cool et très dangereux. On va passer à d'autres épreuves en attendant. Pum, 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 pum. Bon, deux secondes, je vais aller allumer la lumière parce que c'est pas grave. Enfin, j'y vois, mais ils sont plutôt qu'un grand écran lumineux hein, sur fond de ténèbres, c'est pas idéal pour les yeux. Rally Red. Travaille tout. Be careful driving through the vineyards on this course. I own one of them, and I don't want you crushing my grapes under your wheels. Je veux changer de caisse. Yes. Voilà. No. On a la brigade, la Border Patrol de Trump, on va aller chercher les Mexicains. On va être borderline raciste. Parce que je sais que ça vous plaît. Et que c'est comme ça qu'on ne perce jamais dans le Twitch game. Du coup, épreuve de fraude. D'accord, fallait peut-être passer par là. Le truc marrant avec le fraude, c'est que le tracé est jamais très très clair quoi. Tu pifes. Et Inch'Allah t'arrives à destination. Après il y a 2-3 drapeaux quand même. C'est fait que c'est fait pour t'aider. Ah! Des pancartes cachées à un mur indestructible, cool. Par là. D'accord, en fait j'étais censé aller à gauche ou à droite. Sauf qu'on en a rien à foutre parce que les Mexicains ils vont en ligne droite. On les attraper. Oh qu'ils envahissent l'Amérique. Off-road, on te dit. Ouais, l'off-road, c'est pas du rallye, hein. C'est vraiment dans la pampa. Si t'es sur une route, c'est que t'es en train de perdre. Ok. Oh! Close, close, close. C'est par contre, il y a moyen de gratter du temps. Ah, d'accord, par là. Ah, c'est le finish en plus. Ah! D'accord, je vais croire les drapeaux. Hein. Par contre, parfois, c'est caméra sur 20, je vois même pas où je dois aller. Ouais, voilà. Je peux pas faire meilleure indication.
On a chopé les Mexicains, ouais! Ah, le loot. Glad you accepted my invite. I'm thinking maybe I read you wrong. What with you running with Wade? It seems like you're pretty decent folk. So I've got a proposition for you. A rally raid race, just you and me. And I promise, win or lose, what's waiting at the finish line is worth it. Whoa. Three. Two. One. Ah mais y'a un mec. Tuck. Ça rime avec fuck. Cassez-vous les dents. Merde. That's some scenery, huh? He's some talker, huh? Oh, c'est joli. Watch yourself, this terrain is tricky. It's easy to get wrecked. C'est censé être une course ou un tuto? Ok. Ok. Putain, on a fait peur à un caribou. Ah ouais. Putain, mais... It's not the destination. What? It's the journey. Ah ouais. Except in this race, it's both. J'ai aucun contrôle. He's gonna wanna stop the race to meditate. Ah le bâtard, il a pris l'avance. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Non. Ah. Ouais, je connais un peu le tracé maintenant, ça ira devant les murs. Dis-je avant de me planter, évidemment. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Cassez-vous les chevreuils! Merde. C'est après que j'aurais dû tourner. Watch yourself, this terrain is tricky. It's easy to get wrecked. Toujours le même caillou nul. On part là. It's not the destination. It's the journey. Except in this race, it's both. Careful, he's gonna wanna stop the race to meditate. Oh shit, 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 oh shit. Et lui il est tranquille, tu sais, genre. Je suis zen.
Ah. For real? Ça, c'est mes moments favoris dans les... de l'off-road. Quand tu remontes la montagne comme un vieux paquet. IRL, tes amortisseurs, ils sont déjà morts, hein, mais... hein. Aïe. Non, 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 non. Ne fais pas perdre le timing. Pas de tempo, pas comme ça, Zinedine. Ok, big jump. Leap of faith. Good. C'est le côté vraiment fun de ce mode off-road. Ouais, je suis en courbe, ils ont plongé au sommet d'une montagne, ouais. Too bad Wade wasn't around to spoil it. I told you the finish was worth it. Was I right? Or was I right? Ouais, donc en gros le prix à la fin c'était juste la vue. Je cache pas ma déception. Now I remember a couple years back up in the Cascades, I hit a patch of scree and got totally turned around. Perfect little lake. It felt like no one had ever been there before. We race there now. It's the best thing in the world, cutting a trail like that. Comment est-ce que le mec, en restant planté, a trouvé un lac? Tu sais, quand tu te trompes de chemin, tu trouves quelque chose. Mais le mec a juste pas bougé. N'importe qui aurait pu trouver ce lac. On part en mode Brokeback Mountain on screen. Gna gna gna, du coup c'est tout pour l'off-road en véhicule machin. Il y a du motocross, j'aime pas le motocross, mais faisons-le. Ah, et en plus on est undercap. Hein. Stay focused. Tuck is running this race. Now, I don't like him, but the man can ride. If he's not ahead of you, he's right behind you. Normalement je vais être à 20, je suis à 17. Ça promet. You know your championship material. You learned how to ride somewhere, that's for sure. Ah! Putain, je cut n'importe comment. Merci, j'avais pas besoin de la pression. Et merde.
Alors c'est vrai? Je me disais aussi que les autres étaient pas à côté de moi. Merde! Salacro. Aïe. Ah! Putain, en plus il neige. Comme si le motocross était pas déjà assez horrible, hein. Ah tiens, de la neige, comme ça, ça glisse. Et tu vois pas le tracé. Merde, je suis trop loin. Non. Oui. Ouh. Et on n'avait pas la moto pour le faire. Let me explain something. That championship, it means things. It means fame, it means sponsors, and it means money. Lots and lots of money. Which last time I heard, well, every good racing year. The way you're racing now, you're letting the team down, not racking up the points we need. Think about what's at stake here before you go lallygag your way through the wildflower. C'est quoi ton problème? Mick, j'ai gagné. Fous-moi la paix. Oui, il est pas content parce que, hé, hey, t'as pas fait assez de figures, connard. Je fais qu'est-ce que je veux. Wesh. Mount Washington Motocross. Encore une fois, on a pas de niveau. Ah oh, putain, j'aurais dû m'équiper. Si j'oublie d'équiper les pièces, alors j'aurai jamais de niveau. Mais je l'ai quand même pas. Just doesn't get it. He may be the champ, but we're the future. Oui, on est le futur, ouais. On le dira, ouais. Top spot, but you're just a wipeout away from the bottom. Nya nya nya. Ah. Ah. D'accord. Merci pour l'encouragement. Putain, mais non seulement le motocross, c'est pas la plus grande réussite du jeu, à mon sens en tout cas. Après, c'est jouable, hein, honnêtement. Mais non seulement ça, mais en plus, je crois que c'est le coin où je me sens le moins aimé.
au niveau des commentaires, etc. Genre, ah ouais, mais t'es qu'une merde en fait. Putain, mais pourquoi je te sponsorise? Allez! On t'est peut-être passé devant, mais non. Je vais te lever ça dans le ravin. Qui fait le malin tombe dans le ravin, wesh. Merde. Vroom la neige. Bah oui. C'est steep un peu, hein. C'est un peu steep. Finish! Who's number one? I am number one. Hi number one, I'm dead. Papa. Ok. Juste upgrade. Et les motos, c'est fait pour ce level. Maintenant, c'est encore un level à faire pour avoir débloqué toutes les capacités. Puis après, je sais pas comment ça se passe, ça a l'air de se stacker. Icône 1, 2, 3, 10 000. Donc la rejouabilité est infinie. Bon. Il est temps de voler comme un piou. I sometimes have the feeling you're not listening to what I'm telling you. So, fly, points, go, win. Got that? Good. C'est pas obligé de m'agresser à chaque fois. Quand je me souviens plus comment ça marche les aérobatiques, les gars. Enfin, les acrobatiques. Donc on va se débrouiller. Hein. On va make do. Get 2000 points. Tu gagnes quoi à prendre? Oups. Facile. C'est bon? Merci Gaël. À quel point je suis à la verticale là? Ok, là on est en droite. Un vertical, ok. Looping. C'était un looping, hein. No stage. Vers 500 mètres, d'accord. Maximum de figure en 20 secondes, oui! Et altitude. Là on est en pleine mer un peu, non? Ça va pas se faire la dèche de la course. Je t'en fais même deux cadeaux. Ah, il faut en faire 5. Hein. Une vertèbre de low altitude. Oh putain. Lane, lane, lane.
C'est un looping, me fais chier. On refait la même. Ah c'est bon, c'est fini. Ouais, c'est pas ouf, hein. We're always looking to create a spectacle. Why? Mais en tout cas, people watch spectacle, and sponsors will pay good money for eyeballs, which we can provide. And that good money means everyone keeps the lights on. It's as simple as that. Ce qui est fun, c'est que l'avion est quand même vachement maniable et vachement réussi par contre. Simple. Ok. Je vais retrouver le panneau. Je changerai cette pièce. C'est laquelle votre préférée actuellement? Quel est votre mode de jeu préféré quand on y arrive là? Today we fly in the DC no fly zone. Now that's what I call being free and having style. Commander 60. Je pense qu'on a la truc en main. Ok, là ça va être un peu plus fun que de voler le long de la mer. I've seen some aerobatics in my day. So give me something special. Merde. Drag. Faux départ. Génie. Mais c'est pas grave. D'accord. D'accord. Ok, jusqu'ici ça fait 3 points, donc on va se tenir à la liste. Hein. I can do this with my eyes closed. Non. Damn it. Prendre de la hauteur pour plonger dans le world. Non, il est safe. Chien, j'ai pas eu assez de hauteur. Non, il est safe. Nose dive? D'accord.
2 mètres. LOL. Mais putain, mais fais-le le noise dive quoi. 18 secondes. Prends noise dive. Voilà, merci. Oh quel enfer. J'ai raté. Faut tout refaire. En scred, les étapes sont. Enfin, les petits trucs pour farmer le. L'avion sont moins chiants que le grand. Bravo le beau. Allô? Go porn. Allô? Allô? C'est un mode de fucking looping, j'ai fait pour rien. Bon, les rolls c'est facile. Ah, je dois faire un looping, d'accord. Press I hope you're proud of your score, cause I sure as heck am. Sure as heck? Sure as heck, man. Riley Nolan Foundation. Crashé? Il va me crasher. Oh oh, knife light, knife light. Un close call, ça, d'accord. Ta mère. Voilà. Good. Good. Le loot. Vous avez pas répondu dans le chat, Benoît. Est-ce que vous préférez oui. le vol, le off-road, le... Quelles sont vos activités favorites? Putain, mais que de l'acrobatique, c'est chiant. Je veux plus de Destruction Derby et moins d'acrobatique. Les faire.
Mount Rushmore, the perfect American sculpture. Done big, done well, and done with explosives. Now go do yourself some aerobatics and have a le Mont Rushmore, de vrai. Do a barrel roll. J'aurais conservé l'attitude. Mais je suis déjà en low altitude. Nom de Dieu. Vol sous un pont. Je suis en pleine campagne. Vas-y, vol sous un pont. Et sans déconner, y a pas un pont. C'est quoi cette épreuve de merde? On s'en fout, on a gagné, hein, mais... plus que 30 secondes pour trouver un pont. Ah, là-bas. Vas-y pour voler en dessous. Nice. On me dit pas c'est pas possible, on me dit combien. Et combien coco ils valent. Well, what do you know? Folks in the freestyle world are talking about you. Honestly, I pegged you as nothing but talk, no offense. Pleased to see I was wrong. So here's a puzzler. We do our events where the view is as beautiful as possible. Then we do impossible stunts where there's no time to look at the view. How's that for ironic? Ah ouais, ironique. Oui. Le hard drift, hein. Sauf à Kinesi. Regardez Ron.
Et ça compte pas parce que j'ai pas fait assez droit. Hein. Ah merde. Chut, close. Gaborn. Non. Gaborn. Allô? Merci. D'arbres. Et moi je tire l'arbre, cadeau. Now you ain't stupid. So I'm guessing you've noticed there's more than one way to make a name for yourself with the family. However, just because you can, don't mean that you have to. You'd rather just tool around the country taking pictures of Bigfoot? Be my guest. It's about freedom. The freedom to challenge what you think are your limits. And the freedom not to. A good package. A package capping. Crash dans une caisse, please. D'accord. La fameuse caisse qu'on n'a pas vue. Là. Oh ta mère. Oh ta mère. Que je peux. Oui, ça marche. Care package. Miss photo up, look out for a wild ox. Mais je m'en fous! Non. Le loot. Voilà.
Alors, donc une autre façon de... Ah, snack bar. Voilà, une autre façon de choper du loot. Tout bêtement. C'est quand ça ping sur le radar et que tu te mets à fouiller, tu trouves une lootbox, t'as des performances perte dedans, et tout va bien. Ok. Ah, la snack bar, ouais. Si, si. Ah, the wide open spaces of Texas. Perfect place to master an important ah, Texas. Tight turns. To do them, just trade some speed for extra control. And even if you don't nail them perfectly, you're probably not gonna crash. Probably. Three, two, ooh. This is where you can really cut loose. Ah, c'est des touch and go. C'est un nouveau truc, je savais pas. Putain, looping fait avec le cul. Mais ta mère? Deuxième tentative de looping ratée. Mais qu'est-ce qu'il te faut le jeu? Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Et je me retrouve à chaque fois retourné. J'arrive pas à faire le outside loop. Putain, mais 6 fois que je l'essaye, au secours. Pourtant, la teammate il est à. Voilà! Merci. Et là, je suis trop bas pour faire plunge forward. Allô? Nose dive! Nose dive! Perte de temps. Mais ta mère! Y a rien qui fonctionne, quoi. Nose dive! Allô? Putain, mais je dois le faire comment pour que tu comprennes? Le pencher était pas assez, mais si! Dis pas si, bah si, moi je trouve que si. Non, non, non. Juste à... Oui.
Ça te va là, c'est assez droit. Oui. Merde, je le prends. Merde. Je suis parti beaucoup trop tard. Innocent. Wow. Ok, la teuf. La teuf. Ah bah c'est marrant ça. Quoi? Je sais pas de quoi tu parles mon pote. Allô? Allô? Et tout contrôler par un projet de merci étoile. Le loot. C'est moi qui te donne un problème. Bah, tu joues à fond en ce moment, hein, donc. Ouais. putain, plus que deux acrobatiques. Attachez-vous. Welcome to Monument Valley, one of the most beautiful places in the country. C'est chiant que c'est reposant, en fait. Parce que c'est son projet. Bah ouais. Il veut que vous, partout. Vous alliez looter les grélires. Up horn, d'accord. Go run up horn. Da-da-da. Too safe. Take more chances. Fly closer to the ground. You don't have to if you don't want to. I don't want to. See what you got. Yes, that's the way to do it. Take chances. And go. Knife flight. Ce n'était pas du tout un accident. Non, non, non. Ah bah justement. Ah, il faut encore en faire deux. Door barrel. I can fly upside down at low altitude for a few minutes at a shot. Maybe someday you'll be able to do that too. You never know. Nya 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 nya. Et des arbres par contre madame, on fait comment pour les arbres? Que porn. C'est justement là que je voulais aller.
Congratulations for staying on point, even with Miss Chatterbox yapping in your ear. Maintaining focus when something's trying to distract you is the best way to learn how to keep your concentration. Elle a bien niqué le temps, le score bar, quoi. Elle a bien maxé cette épreuve. Allez, du nitro pour se crasher plus vite. Parce que fun fact, on peut toujours continuer d'aller plus loin pour les leaderboards. Ah, c'est fini de toute façon. D'accord. The best way to explain what we do is this. Our pilots are crazy good, but sometimes they act like a bunch of snot-nosed brats. The kind of people who throw a party in a seminar. While Grumpy here is giving you his version, let me give you mine. We can do things you've never seen before because we're having fun. Give us a plane, we'll show you something fantastic. You know, for all that we act out of line sometimes, everyone here has a big heart. If you ever need help, you can be sure that everyone will drop what they're doing and give you a hand. It's just the way that we are. Free spirit doesn't mean selfish, it's exactly the opposite. And if you don't feel the same way, there might not be a place for you here. Putain, mais vous pouvez arrêter de me sortir ce refrain, s'il vous plaît? Non, mais en fait, nous, on est cool. Et si t'es pas un cool kid, tu peux te casser. Non, mais en fait, nous, les gars qui font du motocross, on est cool. Et si t'es pas un cool kid, tu peux aussi te casser. C'est présent que tout le monde m'agresse. Qui a moult pièces. Oui. Ok. Oui. Vas-y, casse-toi. Mais j'en ai vécu ça. Putain, mais pourquoi il y en a une qui s'est rajoutée? You've got a heck of a view over San Francisco Bay, so enjoy it. Just don't bother looking for Alcatraz while you're up there. Seems like the whole island made its escape when we weren't looking. What? If you can't do the stunts, don't blame the plane. Under a bridge, oh là là, c'est difficile. Voilà. Ah, encore? Merde. Okay, planes work too. Damn it. Oh. Ah, ça compte pas! C'était le plus beau looping de ma carrière et il compte pas, quoi. Je se la pète un peu. Hein. Putain, mais je viens d'en faire un close call, emmerdeur. Ça compte pas. Quand tu vas. C'est un close call. Very close.
ta mère, allez. Non. Une minute left. Ok, j'ai le temps. Et un close call. Putain, mais tu peux te jeter dans une forêt d'arbres. Non, c'est pas un close call. Non, non, ça non plus. Non, ça non plus, non. C'est pas encore assez proche. T'as pas encore assez risqué ta vie. Ok, au pif. On n'aura pas assez. Vas-y, freestyle pendant une seconde. Mais je viens de dire retry. Je me demande bien sous quel point je pourrais valer. C'était un bon looping. Merci. Oups. Un peu trop profond. Close call de ta mère. C'est pas un close call. C'est pas un close call. Je suis en pleine mer, je vais pas faire des close call de rien. Perte de temps sur 20. C'est pas un close call. C'est toujours pas un close call. Ah, ça c'est un close call par contre. Pourquoi? Ta maman la chèvre. Oh! N'importe quoi. Quand même. Allez, fais les points! Tu frites avec ton sel. Non, mais merde quoi! Ça parce que. C'est pas un close call, c'est pas un close call. Je risque ta vie à chaque instant. Non, c'est pas assez close call en fait.
Est-ce que tu pourrais encore plus te faire chier? Of a view over San Francisco Bay, so enjoy it. Just don't bother looking for Alcatraz while you're up there. Seems like the whole island made its escape when we weren't looking. Et je veux bien un peu de frites avec mon sel, ouais, d'ailleurs. Méchant. Faire du low altitude ici. Ah mais c'est cumulatif en fait. Putain c'est incroyable, c'est comme ça que ça marche. Je vais me casser la gueule. Je suis où? Putain, on voit rien! Merde! T'as des comptes un peu ce que. Ah, d'accord. Get fucked. Bah oui. Ta mère. Putain, la pire météo. Je vous ai ébahi. Une verte de low altitude sur le pont de San Francisco. Flight. Non, non. J'ai raté. Ah, il faut encore faire des close calls. Non. Sa mère. Tourner au pont. Mais il est à 3 km le pont. 17 secondes. C'est bon. Aïe. Chandelle. Touch and go. Yeah. We did it, Reddit. Ça a l'air de rien, mais ces acrobaties, hein, c'est chiant par moment. Enfin, c'est compliqué par moment. Look, we're all for pushing the envelope, but freestyle don't mean stupid. Ah bon? You want to push the edge with a new stunt? That's your right. And more power to you. J'ai close. You're full enough to take a jet sprint boat out into open water. That's just plain irresponsible. Not that it's gonna stop anyone around here from doing it, mind you. Knowing your limits is a big part of testing them. Ouais, ouais. On le dira. Ok. Est-ce qu'on peut arrêter de... Non, il y en a encore une, je crois. Je sais plus. Regarde-moi ça, ça veut rien dire sur la map. Ah, y a encore celle-là. 2100, ça va, on a quand même pire. Je crois qu'on a fait la pire. Parce qu'on l'a fait un peu dans le désordre, hein.
is one of them. Maybe not the biggest, but it's still a mark she's set, and something for you to aim for. Disparaît, caribou! You're gonna be asked to perform a list of stunts. Finish one list, and you'll get another. Easy. List's done. Now, strut your stuff. Between lists, you'll get some time to freestyle. Est-ce que le mec est en train de me faire le tuto alors que j'ai déjà fait toutes les autres courses? Is what aerobatics is all about. Time for you to show off your style. Freestyle, that is. That's possible. C'est ce que je viens de faire. Ta mère. Merci. This is when you cut loose again. Ça va savoir utiliser les freins. Allez sur l'autoroute. Ah, dommage. Je fais que... Bon, ok, quoi, 4 checklists. En fait, il faut vraiment prendre le coup de regarder tous les éléments de la liste et essayer de tous les faire à la fois. Plutôt que de se focus à bien exécuter un seul. J'ai compris, c'est un peu tard, mais... Je suis quand même tenté de voir ce que c'est ça. De toute façon, il reste ça, le drift et un. Ah, et deux courses. Ah oui, le Demotion Derby aussi. On va tenter ça vite, chef. On préfère le Demotion Derby. On a un véhicule d'emprunt pour ça. C'est bien ce qu'il me semblait. Publicité déguisée. Putain, regarde ce chopper. On est chips. Je suis Poncherello. À qui est cette moto? C'est un chopper, bébé. À qui est ce chopper? À Z. C'est qui Z? C'est des morts, bébé. C'est des morts.
Zed's dead, baby. En pleine neige, hein, bien évidemment. Trouver quelqu'un qui fait ça en Belgique et offrez-lui une bière parce que ce type est un héros. Surtout sur les autoroutes belges, putain. On est allé un peu loin, hein. Moi je suis en manche courte en plus, tu sais. De la neige? Je vois pas de quoi vous voulez parler. Snap. Mais ta mère? Putain, mais Lia, calme-toi. Lia, genre, hé, t'as freiné une demi-seconde, je suis là! Il est toujours derrière, hein. Vous voyez la petite flèche là à mon cul? C'est pas fait pour décorer. Tu viens d'un Ardennes, donc j'ai déjà vu ça en hiver. Mais surtout, l'histoire, c'est qu'on a tellement les autoroutes les plus pourries de la Terre. Ah ouais, 1,5 km. Putain, mais course de fond, quoi. Non, ta mère. Non, ta mère. Non, ta mère. Non, 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 non. Non, non. Putain, le checkpoint est raté à 1 mètre à peine. Non, je vois le genre de course que c'est. Tu vois, les mecs sont déjà couverts de neige, toi t'as à peine commencé. Du coup, ça va, comme on connaît, on peut optimiser. Et cut comme un bâtard. Merde, 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 dans un virage. Slow, down, slow, and go. C'est vraiment agréable une Harley, by the way. Ouais, c'est pas dur les jeux de course, hein.
Mais ta mère... Eh bisous, connard. Les mecs rattrapaient parce que ça faisait 3 heures que je levais le pied en fait. Mais en même temps, hein, le virage est tellement dégueulasse que... Pas de miss une deuxième fois. Putain, on est qu'à 31% de la course. Oh, c'est long. Faut traverser toute l'Amérique. C'est la course, t'as pas envie de la retry quoi. Fuck you. Ce moment où t'as un vieux virage schlag et t'es là genre ah oh, fuck you off-road. Ouais fuck you. Quand on sent bien le ralentissement dès qu'on part en off-road sur une trop longue durée. Enfin, la neige est finie. Putain, mais c'est quoi cette route de montagne? Et putain, et l'autre, il rattrape! Besta Daron! Putain, 100%, il y a un raccourci en plus. Allez. Là, moi, comment ça? Fais n'importe quoi. Il n'y a pas de checkpoint. Par là. J'ai failli rater la sortie. Oh 5 minutes 59 qu'on roule quoi. Please. J'ai le front qui me gratte. C'est pas le moment. Vous savez à quoi cette course me fait penser? À Freebird de Liner Skynerd. Il y a un putain de début de 5 minutes où tu te fais chier. Et puis la musique s'emballe. C'est un peu ça. La course se retrouve dans les montagnes. À d'avoir opti sa vitesse avec un connard qui vient de me bourrer dedans. Mais c'est ça, fini dans le fossé, connard. Et tous les sbires sont derrière, hein, bien évidemment. Le peloton. En fait, on fait le Tour de France. Oh le bâtard!
m'a poussé sur un petit caillou, j'ai fait un tête à queue. La teuf. Ça tombe bien, chercher qu'est-ce que je pouvais faire pendant les 33% derniers. 33% derniers, 33% restants. D'accord, le premier il s'est juste arrêté. Dégage! On est tous des amis, mais dégage! Allez, ciao! Il y a 1957, hein. 71%. Wouh! J'ai failli prendre le muret. Ah mon dieu! Redneck Chan, c'est trop ça! La descente en S. Yes. Yes. Après la montée, la descente, quoi. Sûr qu'en partant en off-road, je pourrais gratter 40 secondes au moins. Mais je peux aussi risquer de me manger une vieille pierre. C'est la baise. Dix minutes déjà. 10 minutes de course, c'est trop. Et là, t'as les petits malins dans le chat qui vont dire, bah, si c'est trop, t'as qu'à aller plus vite. Just drive for Ed. On approche de la fin, il va sûrement y avoir un piège à la con. Non, il n'y a pas de piège, ni trop. Ouais. Mange-toi le mur, connard. Ah, 107, suis le gold, va tu m'étonnes. Regarde-moi ça l'XP. Oh, on est icône 1.
ready for an all-new episode of the Live Extreme Series, available now. Wasn't so long ago that we got our shot to race against the pros. Now, Live wants us to be the pros the hotshot newcomers want to take down. I'd say we've done good. Now, let's go defend our turf. Oui, c'est le jeu des épreuves infinies. So famous now, there's not a race in the world that wouldn't invite you. But keep winning and fame will keep coming. And you know what comes with fame? Followers. Followers. C'est si fou. Donc je voulais faire du Demolition Derby, maintenant que cette épreuve pénible est finie. J'ai pas fait beaucoup du Demolition Derby, donc me jugez pas. Je crois qu'on va s'arrêter là hein, après les deux Demolition Derby. Oh, ok, y a pas de bagnole. Ah, let's go! Non, touche, touche! Reset. J'ai pas envie de partir sur un mauvais truc. Ah! D'accord. J'allais dire que je l'ai pas ramassé, putain. Oh. Non, mais elle est horrible cette course. J'ai même pas eu l'occasion de tirer quoi que ce soit de mon bonus de merde. Ah, je l'ai pas ramassé le machin, d'accord. Wow. Super! C'est bon, tu bloques juste un type et il part. C'est tout. C'est tout ce qu'il fait, il part un grand coup. Michor, mets le loot. Oh shit, oh shit. Non, une cible de choix maintenant. Faut que je chope le repair bonus là. Good. Allez, là on plafonne quelqu'un. On va toucher deux. Hein. Quatrième, sixième sur 8. Oh putain, mais quel enfer. Fly, j'ai ici enculé.
merde, j'aurais pu faire un... Oh, c'est déjà fini. Sixième, oh, mais on s'amusait. Donc le principe, en fait, c'est une vraie course. Comment ça, tu setup un stream dessin? Après? Enfin ouais, quand je finis ici? Ouais, c'est une idée. Oui, tu vois. Oui. Ouais, refrain. Ouais, c'est que j'ai vraiment une tire de merde sur ce mode de jeu. 111. Recommandé 110. Vous, 111. Ah. Donc. Merde, avance, avance, avance. Yeeha. Quoi? Quoi? Ubisoft! Comment j'ai pu glitcher à travers le... à travers les murs de sécurité, quoi? Non! Jane, reviens ici, enculé! Merde. Bon, deuxième. Good enough. Avouez que c'était fun. J'étais sur le bord de ma chaise, mais avouez que c'était fun de tacler des mecs. Oh, on est déjà icône 2. J'étais pas prêt. Let me tell you a secret. The limits to freedom don't exist. Anything you want to do, if you think you can do it, you should try. Some people might call what you try crazy. They may even be right, but what does that matter? The only way you're gonna know your limits is by going past them. Donc on commence à rentrer vraiment dans le jeu en fait. Genre icône 2, icône 3, icône 4. Hein. On commence à gratter des vrais niveaux. C'est sympa. Quoi, ma caisse est pas réparée?
C'est une blague. Je commence avec une caisse pourrie. Trop bien. Ah oui, évidemment. Que serait un Destruction Derby sans arène? Let's fuck them up! Wow, wow, wow! Ok. Wow! Hein? Mais comment je passe? Comment est-ce qu'on va chercher le bonus? Alors ça s'ouvre que quand... quand il est actif. Nothing like a first hit on a fresh car. First hit on a fresh car. Pourquoi tout le monde... J'ai l'impression que tout le monde me poursuit. Est-ce que tout le monde me poursuit? Non mais dégage. S'il te plaît. Ouais, j'ai bien plafonné ma caisse, ouais. Mais j'ai bien tiré profit du bonus aussi. Look at you racking up points. Ce serait très lourd. Un Reaper, ce serait pas du luxe. Ouais, damage bonus. Merde, il y a déjà quelqu'un qui l'a bouffé. Donc, méfiance. Oh le con! Wouh! Ah! Mine! Oh mais non! C'était joli! Moins 5000 points, c'est pas grave. Par contre, je veux bien mon bonus de nouveau, bande de connard. Voilà, j'ai amorti la perte de ma caisse. Oh merde! Oh merde! Ah non! Ah pas lui! Pas celui qui a le damage boost. Please. Let's go, bitches! Ah, oh, ma bagnole a été détruite. Mais j'ai rentabilisé! Wow. Mais fous-moi la paix. Je viens de spawn quoi. Stop le spawn kill. Mais foutez-moi la paix. Les mecs ils sont à 3 bornes derrière. C'est genre eh. Vite il faut scorer. Sinon il va gagner. Ouais mais j'ai 40 000 points d'avance. Allez. Putain c'est lui qui me saute dessus. C'est pas juste. Top 3. Oh la gueule de la caisse à la fin. Icône 2. Ouais je suis satisfait. Missa très satisfait. Le loot j'ai laissé derrière évidemment. Pourquoi il spawn là-bas? Okay.
En Scratch, je voudrais tellement plus de courses de Demolition Derby. C'est tellement l'enfance PlayStation 1 avec Destruction Derby et Destruction Derby 2. Ce jeu de l'angoisse où en fait t'avais des damage, t'avais des petits triangles de damage tout autour de la voiture, et quand t'avais bien niqué l'avant, t'étais obligé de faire tout le circuit en marche arrière parce que sinon t'avais perdu la course parce que tu finissais pas, tu vois. C'est pas comme ici où en fait à chaque fois que t'as défoncé une caisse, on te file une autre avec un malus de points. Non, 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 non. Tu dois tout faire avec une seule caisse et c'est le dernier en vie qui gagne. C'était le bon temps, Destruction Derby. Bon, sur ce, les enfants, on a été très productifs. 1200 pognons et icône 2. On commence à gagner des vrais niveaux et on a tout débloqué. Qu'est-ce qu'il y a de... Je me gaffe quand je fais des trucs comme ça. Virer les filtres. Défaut. Là. Ouais, là. Jeter un petit œil. Ah, le bon temps. Donc le street race, on l'a débloqué. Le drift, on l'a débloqué. Reste encore le drag race. Et le hypercar. Achète un véhicule. Oui, mais calme-toi. J'achèterai des véhicules quand j'aurai envie de faire un truc. Parce qu'il y en a d'autres. Peut-être c'est marrant quand tu peux progresser un peu dans chaque carrière. Mais t'as intérêt à les clear pour avoir assez de pognon pour acheter les autres carrières, tu vois ce que je veux dire. En fraude, y'a quoi comme discipline? Y'a un hélico, y'a un Overcraft. Rallycross! Overcraft! On peut être ce con d'Elton John dans les Everglades. C'est merveilleux. Putain, mais le Rallycross par contre. Citer un truc qui me hype pas du tout. Le rallycross, quoi. Gauche, troisième. Jamais aimé les jeux de rallye. Je trouve qu'en fait, les jeux de rallye, c'est un peu essayer de se masturber avec des gants de boxe, quoi. Genre les jeux de course, etc. T'as la vitesse, t'as le tracé, tout va bien, etc. Les jeux de rallye, c'est genre tu roules tout seul. Et dans des fossés bourrés de boue et des routes complètement dégueulasses. Et c'est en mode, ah bah oui, c'est trop bien, t'as réussi à te taper toutes ces routes boueuses alors qu'il y avait une autoroute juste à côté. Non. J'ai beaucoup de mal avec ça. Mais il y a toute une scène du rallye que je respecte dans l'absolu. J'aime bien le regarder, tu vois, mais pas le jouer. Nouvelle discipline. Monster Truck. Oh, Jet Sprint aussi, on n'a pas fait. Manifestement, c'est de la drag race, mais avec des petits bateaux. Ah, avec des tout petits bateaux par rapport à ce que j'ai d'habitude. Enfin, c'est un canot de sauvetage avec un moteur dans le dos, quoi. C'est un... Ok. Monster Truck. Comme Monster Truck. Jeep Grand Cherokee. Mustang GT. Putain, c'est stylé une Mustang GT en Monster Truck. Challenger SRT, pas mal aussi. Camaro SS. Abarth. C'est quoi, c'est une Twingo? Twingo italienne? Silverado. Consomme seulement 10 000 litres au 100. Une Skyline VTR. La bagnole du gars de Need for Speed. Bah oui, bien sûr. Ta. J'ai regardé l'off-road, hein, ouais. Les bateaux, c'est ça que j'ai pas regardé.
Le pro racing. Le pro racing, il doit y avoir des trucs vachement stylés. Parce que bon, on fait des acrobatiques, etc. Mais il y a d'autres disciplines aériennes. Air Race. Eh ouais, mon pote. Alpha GP. On peut faire de la F1. On peut faire de la F1. Par contre, encore une fois, il faut acheter les véhicules. Mais... Ah oui, déjà, il y a du touring car, donc course en circuit. Course de bagnole de base en circuit. Ça semble à quoi les avions? C'est peut-être. Avec le Season Pass, vous pouvez avoir ça. Quand vous êtes un clodo, vous aurez plutôt ça. Mon gars. Le Red Bull. Proto Alpha Mark II. Une autre Renault Red Bull. Mais y'a que Red Bull ou quoi? C'est quoi ce sponsoring? Test Drive. On va voir ce que ça fait. Ah oui, pas mal. Putain, j'ai tellement de chance d'avoir une carte graphique qui tient le coup, quoi. Quand je repense à mon ancienne carte graphique qui aurait vomi ses tripes juste pour ça. Quoi, 28? Eh, c'est un test drive, j'ai le droit à un temps limité. Bien évidemment, ta Formule 1 a du nitro, hein, parce que... Why the fuck not? 350 km/h. Pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est une F1 entrée de gamme, voilà. Le pire en plus, c'est que la différence de prix, c'est vraiment une question de choix préférentiel, parce que quand tu regardes performance level, c'est à peu près pareil. 82, 79, 78, ça c'est pas dramatique, quoi. Mais tu claques un million. C'est un peu beaucoup de choix, oui. Oui, nouvelles activités. Ping, 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 ping. On s'en fout des activités. Ce qu'on veut. Il est sorti. C'est aller sur le périph avec une Formule 1. Non. Pourquoi je peux pas? Mais ta mère, le free mode, quoi. Mais vas-y, tapez-moi là. Oui. La base. Ah, je les vois bien maintenant, les activités. Oui, il faut que tu te fasses flasher à 150 km/h. Ah, t'inquiète, y a pas de souci. On y va quand tu veux. Allez, 353 km/h. Fallait être flashé à 180.
Bim. Heureusement que cet effet est beaucoup plus solide que dans la vraie vie. Hein. Non, pas le sable. Ça m'encrassait mon... Bah, tout encrassait. C'est tellement un plaisir ce jeu. Bon. Du coup, les enfants, on va se laisser là-dessus. Et voilà, des bisous. Putain, la collection s'agrandit de jour en jour. Le performance level s'agrandit aussi de jour en jour. Du coup, on va se quitter là-dessus. Je vous dis des bisous et ben on va host Shukel hein, gentiment, qui doit être tranquillement sur son stream dessin professionnel, s'il en est. Oui. Des bisous et à la fois prochaine. Peut-être ce week-end, je vais pop en ninja sur des streams. S'il y en a qui font leur enquête d'Overwatch classée, leur placement et tout ça. Si pas, bah, on se revoit mardi. Voilà, voilà. Des bisous et à la fois prochaine. Ciao, ciao, ciao.